tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis super heureuse de vous faire. Ça fait 2 mois que j'ai été absente, je suis désolée, clairement je vais pas vous mentir. J'ai une baisse de motivation au niveau des vidéos pendant un certain temps. Pas parce que j'aime plus faire des vidéos, mais juste parce que voir gérer YouTube et les cours, c'est assez compliqué concrètement, sachant que je suis en terminale, que j'ai le bac à la fin de l'année. Mais là je vais essayer de revenir un maximum, j'espère que vous m'excusez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Je vais tous vous les montrer, j'espère que la vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. Alors premier cadeau, il s'agit du cadeau de ma maman, c'est le livre scellé de Big Flo Oli. Je savais pas du tout qu'il existait, je voulais absolument les albums moi, mais je ne savais pas que ce livre existait. Mais je suis super contente, dedans il y a une bande dessinée écrite par eux tout simplement, des photos inédites, des petites anecdotes, leur album, La Vie de Rêve, le dernier. Dedans il y avait aussi un bracelet que j'ai à mon poignet. Donc du coup je suis super heureuse. Ensuite du coup pour rester sur le Big Flo Oli, mon prochain cadeau c'est une place de concert pour aller les voir le 25 juillet au festival de Civray. C'est mon frère qui m'a offert ça. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Moi qui pensais ne pas les revoir avant longtemps, parce que concrètement j'ai attendu de leur début jusqu'en 2016 à peu près pour les voir, donc ça a été assez long. Mais je suis trop heureuse, j'ai trop hâte de les revoir, vraiment. Mais ça va être full festival cet été. Ensuite, le prochain cadeau, c'est le cadeau d'une amie à moi qui s'appelle Bernie. Donc si tu vois cette vidéo, je te remercie de tout mon cœur. Donc elle m'a offert un petit rangement pour le make-up. Je suis super contente parce que je cherchais un petit rangement pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, je vais à la fac et je ne sais pas encore si je serai en appartement, en studio ou n'importe. Parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de rangement pour le make-up, je la remercie de tout. Ensuite, les prochains cadeaux, c'est des cadeaux de mon amie Cassandra. C'est un amour. Merci. En tout premier, elle m'a offert un rouge à lèvres. Donc c'est un tatoueur de lèvres. Je sais pas vraiment ce que c'est exactement. J'en ai jamais eu, donc je le testerai. Vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'arrive plus à parler. Elle m'a également offert un fard à paupières. Il est marron à paillettes. C'est vraiment les couleurs nude, j'adore. J'ai flashé dessus. Elle m'a également pris une crème pour les mains Murfig. Elles sont super bonnes, honnêtement. J'ai trop hâte de la tester. Ces trois cadeaux, elle me les a achetés chez Adopt. Donc si vous les voulez, ben, n'hésitez pas à les Adopt pour les chercher. Du coup pour les références, j'y ai pas pensé, le tatoueur de lèvres c'est le numéro 7, le fard à paupières c'est le numéro 11, Hazelnut, la crème pour les mains c'est celle Murphy. Ensuite passons à ma cousine. Ma cousine elle m'a offert plusieurs cadeaux, donc elle m'a offert tout d'abord ici. Elle m'a offert un maillot du Barça, voilà c'est celui de cette année si je ne me trompe pas. Ok, Coutinho, un de mes joueurs préférés au Barça, je suis trop heureuse. Ça fait un moment que je le veux ce maillot. Honnêtement pour tous les prochains matchs, je porterai celui-là pour leur porter bonheur. Elle m'a offert un autre maillot, le maillot Brésil, bloqué Neymar, parce que c'est mon joueur préféré vraiment depuis que je suis toute petite. C'est vraiment le joueur que j'ai commencé à suivre dès petite en fait. Enfin, c'est vrai que Neymar, pour le coup, je l'ai suivi vraiment depuis ses tout débuts. J'aime vraiment ce joueur. Elle m'a offert aussi une serviette de bain pour cet été, du coup bah moi qui en cherchais une parce que j'en ai pas, chaque fois je pique toujours celle de ma mère. Moi je suis contente, j'ai une serviette de bain Barcelone, j'ai hâte de l'utiliser. Du coup pour l'instant c'est full cadeau niveau foot, mais vous êtes pas prêts parce que c'est pas du tout. Ensuite par mon autre frère, j'ai eu une petite veste du Barça. Pour les personnes qui regardent le foot, c'est les vestes en fait qui portent au moment de venir sur le terrain, qui chantent leurs hymnes. Je sais pas si vous voyez, je suis super contente parce que c'est vrai que je l'avais repérée depuis un moment, je voulais me la prendre. J'avais pas forcément d'argent avec moi quand je voulais la prendre, donc du coup je ne l'ai pas prise. Je sens que je vais la saigner cette veste et je vais la porter très souvent. Par ma soeur, j'ai eu un t-shirt effet maillot de foot. En fait si vous voulez c'est un maillot de foot mais en matière d'un t-shirt de l'équipe de France 2 étoiles. J'ai celui de Grisi, c'est pas mon joueur ultime préféré de l'équipe de France, mais c'est vrai que j'adore Grisi. Je suis trop contente. Je vais pouvoir le porter pour les prochains matchs qui vont arriver, les qualifications à l'Euro. Je sens que je vais porter ce t-shirt très souvent également. Ensuite du coup pour continuer sur mon frère qui m'a offert la veste et ma soeur, ils m'ont également offert une carte cadeau chez Jennifer de 40 €. J'ai déjà commencé à l'utiliser. Je suis trop contente. Ensuite ma tante, mon oncle et mon cousin m'ont offert ça, un petit trophée de 18 ans. Mon petit cousin m'a dit que c'était un petit clin d'œil par rapport à YouTube. Il m'a dit en attendant le vrai trophée, je t'offre ça. Du coup je suis plutôt contente, c'est plutôt mignon, c'est une bonne petite attention. Ensuite ma tante et mon oncle m'ont aussi offert du coup des sous en plus, mais qui m'ont donné il y a pas mal de temps parce qu'ils me les ont donné pour que je parte en Sicile pour que je puisse faire des petits achats là-bas. J'ai eu également de l'argent par mes grands-parents et puis mon père et mon oncle me payent mon permis. Donc voilà tout le monde, cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez plein de pouces bleus, ça me ferait super plaisir et ça me donnerait pas mal de courage pour vous tourner des petites vidéos en avant. Laissez un petit commentaire pour me donner vos avis sur la vidéo, le cadrage, tout ça, ou pour me donner des idées de vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications.
ou à partager la vidéo et ma chaîne avec vos amis. Et avant de terminer cette vidéo, je vous avais parlé que je devais vous sortir des vlogs sur mon voyage en Sicile, mon voyage scolaire. Je sens qu'il va y avoir pas mal de retard parce que ça fait déjà un mois que je suis partie, que je suis rentrée. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes de fichiers. Il y a des fichiers qui se sont mal filmés quand je les ai filmés. Au lieu d'être en mode paysage, ils sont en mode portrait. C'est très compliqué, mais je vais essayer de vous les sortir le plus rapidement possible. Du coup, moi, je fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.